I interviewed my grandparents because they both lived through the evolution of telephones. They both had different opinions and approaches, which makes it even more interesting. Vous avez ton premier téléphone à la maison, en gros chez vous. Chez nous, en 1958 peut-être. Ok, et c'était quel type de téléphone ? C'était un téléphone avec un cadran qui était fixe, hein. Tu décrochais le téléphone, ouais. Tu faisais ton numéro sur le cadran, par exemple 25, 82, tu faisais 3 chiffres ou 6 chiffres. Ouais, tournais. Non, c'était 4 chiffres, voilà. Donc, il y avait un cadran avec des lettres, 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dans chaque cadran, il y avait 3 lettres. Et selon ton numéro, c'était Bolivar 25, 25, tu faisais B, O, L, 25, 25. Et puis la personne au téléphone s'y répondait, ça faisait allô. Allô ? Ok. Alors, est-ce que tu considères que la vie était mieux avant quand vous n'aviez pas de téléphone ? Bah, elle était plus calme. Plus calme. Moins trépidante que là, moins pressée, moins urgente tout le temps. Et maintenant, tu ne peux plus parler avec personne parce que chacun est dans son coin avec son téléphone et en train de pianoter pour appeler leurs copains, leurs copines, pour jouer sur un jeu, pour regarder une route, voilà. Donc, c'est moins bien que dans le temps. Est-ce que tu as évolué de téléphone ? Ça veut dire, dans les années 50, tu avais un téléphone, dans les années 60, un autre, ouais. Etc. Oui. Est-ce que j'ai évolué ? Oui. Bah, oui, je suis bien obligée de suivre. Hein. Ouais. Bah, oui, je ne peux pas faire autrement. Avant que tu sois née, oui. Vous aviez des téléphones ? Bah oui, non, mais si, il y avait un téléphone, mais c'était des vieux téléphones qui étaient accrochés au mur et qui avaient une petite manivelle. Et que tu appelais le service des postes, ouais. Tu disais, je voudrais parler à madame un tel, tel numéro. Alors elle faisait le numéro et elle disait, les opérateurs. On va vous mettre en relation. Ah, et toi, quand t'es née, il n'y avait plus ça ? Non, non, ça n'existait plus, ça. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelle année tu es née ? En 1941. Ok, merci bien. Est-ce que ça t'a fait un choc de passer au téléphone qui tourne à maintenant un téléphone tactile ? Bah, un choc, non, parce que bon, c'est marrant au début c'est drôle, ouais. Hein, le téléphone comme ça. Mais quand tu veux quelque chose de vraiment précis, ben, moi j'arrive plus rien à trouver. C'est-à-dire, c'est pour ça que je te dis, arrivé à un certain âge, t'es dépassé, ouais, par les événements. Ça va, ouais, plus vite que moi. Alors, est-ce qu'il y avait des cabines de téléphone quand tu étais jeune ? Il y avait des cabines, oui, il y avait des cabines téléphoniques dans la rue. Sur les trottoirs, il y avait des cabines téléphoniques avec un poste fixe, hein, bien sûr, et un cadran. Ok. Et il y avait une boîte de monnaie à côté. C'est-à-dire que tu voulais aller appeler quelqu'un, tu t'es obligé de décrocher, de faire ton numéro et de mettre des pièces. Ah. Dans l'appareil. Bah, et si au milieu de ta conversation, t'avais plus de pièces, ça coupait la communication. Ah, ok. Oui. Est-ce que tu préfères les téléphones comme avant, donc à rouleau, là, ou maintenant les téléphones où tu peux parler avec ton téléphone ? Moi, j'aimais mieux ceux à cadran parce que j'avais l'habitude de m'en servir et c'était, ouais, plus facile. Je faisais un numéro, je disais « Allô, vous allez bien ?» Quand j'avais fini ma romance, je raccrochais. Ouais. Tandis que là, bon, bah, c'est pareil, mais bon, c'est plus court. Tu peux pas discuter longtemps. Ouais. Ok. Alors, la première question est, est-ce que tu avais un téléphone quand tu étais jeune, chez toi ? Jamais. Non ? Non. Ok. J'ai eu à 20... et encore, 30 ans peut-être. Mm-hmm. Bah, comme c'est un téléphone à la maison. Oui. Ah oui, oui, vers 30 ans à peu près, oui. Et c'était quel type de téléphone ? Oh, c'était des trucs... des anciens téléphones, tu sais, qu'en mettant le doigt dessus, tu vois, ça fait 1, 2, 3 jusqu'à 10. Ouais. Donc c'est des cadrans. Ok. En ancien temps. Ok. Et donc, c'était en quelle année à peu près que tu as eu ce téléphone ? Je dirais 1976, 77 peut-être. Ah, ok. Alors, est-ce que tu peux me rappeler quand est-ce que tu es né ? Ah bah, c'est facile, ça. 1950.